T'es obligé de te plaindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre pression sur que, pour que la meuf elle veut bien que tu vois son fils. Mais ça veut dire vraiment, ça veut dire à la maison, des fois elle était là comme ça, elle devait te mettre des gifles. Allez, tiens, allez, allez là, va dans ta chambre. La vérité, elle devait faire ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche, t'as dit, là. Ici, c'est Jonathan Hatchill, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, motivé, créer ta vue sur mesure, dont l'idée, c'est on n'a qu'une seule vie. Donc, à un moment donné, les gars, le temps, il passe. Hein, et tu t'en rappelles quand tu perds un proche. Hein, j'ai perdu un oncle à moi récemment. Oh, ça me met une piqûre de rappel. Ah ouais, c'est vrai que avant, on n'est pas éternel, en fait. Ah, peut-être que je fasse quelque chose de ma vie quand même. Voilà, hein, donc c'est bête de devoir attendre qu'il t'arrive des choses de tragédie dans ta life pour pouvoir y penser. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Voilà, c'est détaillé, tu pourras t'en inspirer pour faire exactement la même chose. Ok, et trouve pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans un quartier aussi, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, les gars. Et c'est juste une question d'avoir les bonnes informations et passer à l'action, avoir des coronesses. Et passons directement au sujet de la vidéo. Un bêta doit payer 200K par mois à la fameuse influenceuse Brittany Renner. Voilà, donc comment ça s'est passé? Donc les gars, je ne vais pas vous mentir, cette histoire, ça m'a un petit peu énervé. Pourquoi je te parle de ça? Tu dis, mais ça n'a rien à voir avec le business et tout. Bah, déjà, j'ai envie de te dire, j'ai envie de faire ce que je veux. Déjà, cette histoire m'a énervé. Donc du coup, ça, j'ai envie. Quand j'ai vu un gars comme ça se faire victimiser comme ça, ça me fait mal, les gars. Ça me fait mal, les gars. Donc je me dis, si jamais je peux parler un peu de ça, si on peut en sauver un ou deux, on sera bon, les gars. Hein? Et aussi, surtout parce que y a certaines personnes qui, quand je leur dis ouais, il faut être un alpha, etc., ils pensent genre c'est juste l'argent. Ils disent ah, une fois que tu as l'argent, ah, c'est bon, là, là, là. Non, à chaque fois je dis c'est argent, travailler sur sa confiance, avoir confiance en soi, leadership, etc. Et après connaître le game. Ça veut dire connaître le game, savoir comment la femme elle fonctionne. Okay, comment fonctionne le game du dating. Ça, il faut que tu le saches. Okay, c'est pas juste l'argent, c'est les trois en même temps. Tu vois. Alors comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire? Raconte-nous, Jojo. Calme-toi Gérard, je vais te raconter. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il y a un gars qui s'appelle Peggy Washington, ok? Il joue au Charlotte Hornets, ok? Jusque-là, on est bon. Le gars, il a été drafté il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il est passé professionnel, il est rentré en NBA il y a 2 ans, ok? Donc, il avait 20 ans quand il est rentré, aujourd'hui, il en a 22. Donc, c'est un gars qui a 22 ans, ok? Donc, tu connais NBA, les gars, c'est des... Ils gagnent de l'argent à tout va, ça fait des millions par-ci, des millions par-là, ça coule à flot. Là, ça coule vraiment à flot. Hein. Les gars prennent des douches de billets. Là, il y a trop d'argent, ok? Donc, PJ, il était là, normal, nouveau. Il s'est dit, vas-y, tiens, Brittany plutôt, comment elle s'appelle encore? Brittany, voilà. Brittany Renner, sur son Instagram, ça, elle s'appelle Bundle of, je sais plus comment, Bundle of Brittany. Ouais, voilà, c'est ça, Brittany, Bundle of Brittany. Hein? Ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre pourquoi elle a mis ça. Donc PJ, il a vu Brittany plutôt, mais j'ai du mal hein, avec Brittany. Il a vu Brittany, il a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne hein. On va pas se mentir, hein, c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. Donc pour ceux qui connaissent pas Brittany Renner, si mon ami le monteur peut trouver une petite vidéo où elle met tous ses talents en exergue, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Voilà, hein, là on est sur du 9, 8, 9, 10, hein, et au-delà. Donc du coup, il n'y a aucun problème pour ça. Le sujet, c'est pas de savoir si jamais elle est fraîche ou pas. Là-dessus, on est tous d'accord. Okay? Ce qui s'est passé, c'est que PJ, il a vu Brittany, il a dit, qu'est-ce qu'elle est bonne? Elle est fraîche? Tiens, dis donc, j'aimerais bien. Hein? Voilà. Jusque-là, tu te dis, bah, normal, le gars, il vient de rentrer en NBA, il se dit, c'est le moment ou jamais, tu vois. Je peux avoir accès, etc. Le problème, là où je veux en arriver, et j'ai pris des notes, Brittany, elle est connue pour pouvoir coucher avec tout le game. Ça veut dire qu'elle a couché avec Drake, Future. Attends, j'ai pris des notes. Hein. Alors, elle a couché avec qui? James Harden. Donc, c'est un autre gars qui est super coté dans la NBA. Drake, Lil Uzi, Jamal Murray, Ben Simpson, Trey Song, Chris Brown, Colin Kaepernick. Bon, énormément. En gros, elle a couché avec tout le game. On est d'accord? Jusque-là, voilà, tu te dis, bon, tu es déjà au courant que tu te dis pas, bon. C'est pas une fille, tu te dis, ah tiens, si tiens, j'ai une idée. Et si j'allais me marier avec elle?
Non, tu dis pas ça. Tu dis pas un truc comme ça. Tu dis pas, ah tiens, et si j'en faisais ma meuf? Non, tu dis pas un truc comme ça. On est d'accord ou pas? Tout en sachant que ça, là, c'est pas genre des infos, genre, bon, tout le monde savait, tu vois. Mais en plus, elle l'a écrit dans un livre. Elle l'a écrit dans un livre avec tous les gars avec qui elle a couché. Ok? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, elle dit que elle, en gros, c'est une chasseuse, quoi. Genre, en gros, elle dit, ouais, tu peux jouer avec ma, voilà, hein, parce que je peux pas le dire, mais elle le dit direct, hein. Tu peux jouer avec mon machin, tout ça, de toute façon, je sais comment ça va finir, je sais ce que je vais te faire. En gros, elle explique qu'elle va victimiser les gars, qu'elle est là pour l'argent, etc. Elle a fait une vidéo, elle dit ça. Elle a fait une vidéo, elle dit ça. Donc, elle prévient. Donc, normalement, un gars normal, tu vois la coucher avec tout le game, ok? Elle te dit que c'est une chasseuse et que son but c'est de faire de la misère aux gars, ok? Elle a dû essayer avec les autres gars précédemment, elle n'a pas réussi, hein? Je te dirais exactement le plan qu'elle a fait, elle n'a pas réussi, hein? Les Drake, tout ça, ils sont intelligents les gars, ok? Parce qu'il faut savoir qu'elle a 27 ans aujourd'hui, donc voilà, elle a 27 ans aujourd'hui, ok? Donc PJ, jusque-là, normal, il se dit, PJ Washington, il se dit, bon, j'ai envie de la gérer, elle est trop bonne, il y va. Jusque-là, normal, on est d'accord. Jusque-là, normal, la meuf est super bonne. Voilà. On est obligé de. Voilà. Normal, normal. Et là où on voit que le mindset, il était complètement éclaté, le gars, il était pas du tout un alpha, il avait juste de l'argent, il est parti comme ça, et à un moment donné, il a dit, oh, je vais lui faire un enfant. Le gars, il est normal, gars. Il y a un truc, PJ, si tu écoutes cette vidéo, évidemment, tu ne comprends pas l'anglais et je pense que tu t'es déjà fait défoncer par énormément d'Américains sur les réseaux, de toute façon, déjà. Donc, tu arrives même en France, pour te dire, tu nous as même choqué en France. PJ, il y a un truc qui s'appelle le préservatif. Pourquoi? Pourquoi tu ne l'utilises pas? Hein? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 mois, boum, ils ont officialisé, soi-disant, genre... leur union, ouais, ça, c'est mot genre boyfriend, girlfriend, tu vois. Aux États-Unis, c'est genre un step de ouf, tu vois. Genre quand tu dis girlfriend, boyfriend, c'est genre limite, c'est comme si tu t'étais fiancé, tu vois. Ok, donc il déclare ça, elle prend des photos, elle est enceinte et tout, naïna. Ben, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Elle a éliminé son Insta où il n'y avait plus de photos et tout machin. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 4 mois après, hein, donc ça c'était en mars, hein. Et là, il y a quelques jours, là, il y a peut-être une semaine, 2 semaines. Elle a dit, oh, c'est fini. C'est fini. Et du coup, il va devoir payer 200K pendant 18 mois. 200K par mois pendant 18 mois. Le gars, il vient d'être drafté. Ça fait 2 ans seulement qu'il est NBA. Il est au Charlotte Hornets en plus. Hein, et je pense qu'il a du coup. Focus. Hein. Hein, d'accord? Je suis au Charlotte Hornets et à un moment donné, c'est focus-toi sur comment tu fais pour pouvoir gagner un titre avec ton équipe. Là. Ok, donc du coup, le gars, normal, il va payer 200K. Sur 18 ans, si je dis 18 mois, c'est une erreur, hein. 18 ans, pratiquement 20 ans. Et là, à ce moment-là, là, il a eu un réveil, tu vois. Donc, tu vois, là, des fois, il faut payer cher pour pouvoir apprendre une leçon. Là, il a eu un réveil, il a mis un tweet. « Ah, en fait, tu m'as menti depuis le début. » PJ, elle a fait des vidéos où elle dit ce qu'elle va faire. Avec les gars d'NBA, parce que elle a baisé plein de gars d'NBA, ok? Elle dit ce qu'elle va faire, okay? Elle dit qui elle est, elle écrit dans un livre qui elle est. Et lui, c'est pour ça les gars, je peux même pas. Elle, je suis obligé de respecter le taf. Elle a été maligne, elle t'a dit ce qu'elle allait faire, elle l'a fait. Toi, tu viens là, t'as vu son boule, t'as été chamboulé et là, le gars, il se retrouve à payer 200K. Bon, c'est quoi? C'est plusieurs millions. Je sais même pas combien on est à combien de millions, là, sur 18 ans. Ça, non, mais le gars... Et là où tu vois... Et c'est pour ça que je reviens sur le truc. Que l'idée de la vidéo, c'est pourquoi? C'est l'argent, ça suffit pas, les gars. L'argent, ça suffit pas. Il s'est fait victimiser. Parce qu'en fait, c'est un bêta. C'est un bêta. C'est juste qu'il jouait bien au basket. Il a eu plein d'argent. Et voilà. Et c'est tout. Mais c'est un gros bêta. Et je l'ai même vu après dans la suite. Là, j'ai vu un dans ses stories. Là, il a mis « Oh, mon fils me manque. » Parce que du coup, elle a couché et tout. « Oh, mon fils me manque. » Il met ça sur des réseaux. Et après, il met une musique triste derrière. Tu vois. À la limite, si jamais... Ça, c'est ma théorie. À la limite, si jamais, genre, c'était vraiment un bonhomme. Genre, vraiment alpha et tout. Déjà, bon, alpha, ça... Bon. Imaginons. Il veut quand même prendre... Il veut faire d'une meuf...
la mère de ses enfants alors qu'elle a couché avec tout le game. Elle a couché avec toutes les équipes de la NBA, frère. Mais bon, passons. Imaginons qu'il est dans sa folie. Il prend. Peut-être qu'elle aurait pu kiffer. Tu vois. Peut-être qu'elle aurait pu kiffer. Parce que si jamais c'était un alpha. S'il a le caractère, le leadership, tu vois. Peut-être qu'elle aurait pu kiffer. Mais là, juste quand j'ai vu qu'on a mis la story, oui, mon fils me manque. Genre, il se plaint sous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à voir ton propre fils. T'es obligé de te plaindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre pression sur pour que la meuf elle veut bien que tu vois son fils. Mais ça veut dire vraiment, ça veut dire à la maison, des fois elle était là comme ça, elle devait te mettre des gifles. Allez là, pas dans ta chambre. La vérité, elle devait faire ça. Non, c'est un truc de mal. Ça m'en ouf les gars. Donc c'est pour vous dire les gars, l'argent, c'est pas, ça suffit pas. On a l'exemple avec PJ. Il a payé cher. Ah ben lui, c'est Red Pill forcé, lui. Ah lui, il l'a pris par le... Parce qu'en plus, il devait kiffer. Ah, c'est ça le truc. Ah lui, il est in love, là. Il est dans l'amour au max. Donc, il s'est fait défoncer dans tous les... Défoncer au niveau du cœur, défoncer au niveau financier, la risée de tous les States. Tout le monde fait des vidéos. Je me suis dit, je vais en faire une aussi. Enfin, tout le monde fait plutôt sur States. Mais quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit, non, les gars, je suis obligé de vous en parler, les gars. Ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais j'ai dit non, je suis obligé de vous en parler, les gars. Enfin, si, c'est un petit rapport quand même, parce que des fois, je parle de relation homme-femme. Donc, les gars, faites attention. Je pense à tous mes gars là qui commencent à gagner de l'argent avec les business en ligne, boum, boum, boum. Faites attention, les gars. Apprenez le game des meufs. Arrêtez d'être là. Arrêtez. Non, franchement, son histoire, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal pour lui, tu vois. Tu connais le game. Au moins, tu connais le game. La meuf, t'as 22 ans, elle a 27 ans, elle va pas rester. Pas parce que, genre, elle aurait pas envie de rester. Bon, déjà, d'une part, là, je pense qu'elle n'avait pas envie de rester parce que le gars, c'est un bêta. Et les meufs, elles aiment pas les bêtas. Et quand une meuf qui est fraîche comme ça, qui a l'habitude de baiser avec des Drake, des Chris Brown, si jamais t'as un bêta comme ça, la seule chose qu'elle va faire, c'est de prendre ton argent. Et pareil, c'est ça, les michetonneuses, c'est ça qu'elles font. Les michetos, elles michetonnent, les bêtas comptent de l'argent. Ou les bêtas qui n'ont pas d'argent mais qui prennent des crédits pour donner de l'argent. Et s'ils savaient ça, au minimum 22 ans, 27 ans, elle, évidemment qu'elle ne va pas rester. Elle sait très bien, le gars, il a 22 ans, il commence à NBA. Quand il va commencer à avoir 25 ans, il va vraiment se rendre compte de sa valeur sur le marché. Parce que pareil, lui, il se rendait pas compte de la valeur sur le marché qu'il avait. Il vient juste d'être drafté, il a eu accès à une putain de meuf. Il s'est dit, je ne vais jamais pouvoir en avoir une autre. Enfin, c'est sûr ça, c'est sûr. Mais à bout d'un moment, je pense qu'avec les années, 23, 24, 25, 26, à un moment donné, on serait vraiment rendu compte de ça. Et elle le sait, tu vois. Donc elle est arrivée, elle a juste fait un coup, boum, boum, boum. Elle a bien joué. Elle a bien joué, qu'est-ce que tu veux. Voilà, elle a utilisé ses qualités. Voilà. Donc, et en plus, elle a prévenu. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire par rapport à ça. Mais franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Il a payé très cher la leçon, il va passer en red pill direct maintenant. Et encore, je sais même pas, vu comment il s'est plaint sur les réseaux, franchement, même moi, j'ai envie de dire, Colami, oui, mon fils me manque. Il a mis ça sur story, frère. Oui, mon fils me manque. Après, il a mis une musique triste. J'ai envie de toi. Allez, là, mais réveille-toi, sois un bonhomme un peu, là, un peu de panache. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas, t'as j'aime si t'as aimé sa vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. Ok, t'as toujours accès à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine, les gars. Et être un alpha, les gars, c'est pas juste de l'argent, les gars. Il faut tout avoir. Il faut travailler sur les trois, sinon tu vas te faire défoncer. C'est sûr et certain. Je pense que j'ai fait le tour, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.